On fait le deuxième épisode de notre session. Du coup, on est avec la confrérie de l'acier. On va continuer, comme je disais à l'instant, je vais faire en plus, je vais pouvoir faire le truc qu'on est censé un peu demander aux populations de participer à l'effort de guerre. Et je vais pouvoir le faire un peu plus violemment que d'habitude, parce que moi, normalement, mon perso est toujours tout gentil. Là, en l'occurrence, il n'est pas censé être sympa, mon personnage, donc c'est parfait. Let's go. Hop. Et j'ai Dance avec moi, du coup. Pour l'instant. La confrérie d'acier étant la branche que j'ai envie d'emprunter dans ce let's play là. Parce que ça correspond pas mal au perso. Voilà. Je vais juste désactiver. Sinon on va avoir tout le temps la quête à côté de nous. La patrouille perdue, parce qu'en fait patrouille perdue je dois la rendre au paladin. Mais comme c'est mon compagnon pour l'aventure là. Beaucoup moins. Alors, mon perso a soif, mais je compte sur le fait d'aller. D'ailleurs, je vais prendre les bouteilles. Ah non, elles sont pleines. D'aller dans la petite ferme où on va devoir aller. Je compte sur ça pour remettre de l'eau. Ça, c'est marrant, j'ai une notif de la Pixbox. Enfin, je regarde. C'est le connétable Ingram qui s'y connaît le mieux pour ce qui est de faire fonctionner le Bridwell. C'est cool hein. Maintenant on va au milieu. Là. La moitié même. Vous voulez le faire? Non non, vous êtes presque. Je vais en prendre une photo, mais les autres étaient en train de parler. Ah voilà. Hop. C'est bon. Merci Scream. De rien. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Pridwen, je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission. J'ai jamais fait de Fallout de ma vie, c'est vraiment cool. Bah ouais, il y a une ambiance si t'aimes le post-apo. Et les RPG. Bah du coup voilà. Tu vois, les RPG c'est souvent beaucoup dans l'univers médiéval fantastique. Genre la Skyrim, Dark Souls, tout ça. Au niveau de l'ambiance. Et bah lui. Pas de temps à perdre. Ah bah tu aimes Stalker? Bah normalement du coup. Quand même. C'est ce côté-là. Et si t'aimes le côté justement plus sombre. Celui qui te plaira le plus, je pense que ce sera Fallout 3. Mais bon, comme je disais il y a une heure à quelqu'un qui me demandait, Fallout 4 permet de bien démarrer parce que bah, c'est celui qui est moderne, je vous ennuie, je valide. Qui se tient bien. C'est une bonne entrée dans la licence, Fallout 4. Mais après ça, je te conseille de faire Fallout 3 du coup par rapport au fait que tu kiffes Stalker. Et moi, mon préféré, c'est New Vegas. Ordonné et j'exécute. Je salue votre enthousiasme, chevalier. Entrons dans le vif du sujet. Regardez là-bas. Vous voyez, c'est Fort Strong, un nid de super-mutants. Ces aberrations de la nature. C'est différent sur 76. Presque les sentir. Mais c'est pas tout n'est pas acheté sur 76. Rien à ranger. Je peux totalement jouer en solo comme Fallout 4. Gros stock de munitions de Fatman. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous ayez. Tu seras sur des serveurs, mais tu peux jouer tout seul. Éliminiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. C'est compris? Mais je connais plein de gens qui ont beaucoup d'heures sur 76 et moi-même j'ai pas mal d'heures au final. Et en vrai, il y a des quêtes super bien écrites sur 76. Ça me semble être une perte de temps. Vous avez hâte d'en découdre avec l'Institut. La violence. Tant mieux. Mais Dan s'a détesté. Ces abominations sont assises sur un véritable arsenal nucléaire. Force Strong. L'insubordination. Potentiel qu'il faut absolument éradiquer. Ces super mutants font peser une menace constante sur l'aéroport. Nous devons nous en occuper en priorité. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le et allez montrer aux mutants de Force Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter. Rompez. Mais ouais, dans Fallout 3, t'auras ce côté quand t'es dans le métro, qu'il y a des ghouls qui peuvent t'attendre à tous les coins, qui fait vachement sombre. J'imagine que t'as dans le prochain Stalker du coup. Moi j'ai jamais joué à Stalker parce que ça me faisait trop peur. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien ne serait-ce que pour la culture. Et potentiellement jouer quand même au nouveau. On verra. Je connais à quoi ça ressemble. T'as affecté un nouveau poste ? Tant que le prix du patrouille de recherche. C'est vachement prestigieux de jouer les villes. La confrérie peut frapper la ville à tout. Toujours mieux qu'enchaîner les tours de garde. Et toi, avant-garde. Tu te calmes. Garde-moi de la fin de la prochaine. J'essaierai de te laisser.
super mutants. T'as vraiment une veine de cocu. Ce qui est bien, c'est que t'as pas mal de façons de jouer. Tu peux jouer furtif, tu peux jouer arme lourde, tu peux jouer... Moi j'ai une arme que j'aime bien jouer, tu vois, t'es en mode... Attention. C'est James Bond, quoi. On ouvre le feu que quand c'est nécessaire. Les mines dans le métro. Moi c'est les ghouls en elles-mêmes dans le métro de Fallout 3 qui me... Ceci est notre dépôt d'approvisionnement. Avant d'avoir le masque, tu sais. Officielle, je vais vous demander de partir. Ils sont bruyants, hein. Ma première partie, mais c'était il y a longtemps. Hein, mais... Ma première partie, c'est Fallout 3. Dès que j'ai eu le masque, je ne lâchais plus. Mais j'étais encore plus une flippette que maintenant. Alors maintenant, ça s'est calmé quand même. J'ai moins peur. Mais au tout début, voilà. Ou même quand tu vas sous le bateau, avec les fins jeux. Oh là là. Et tu sais, quand j'ai rejoué à New Vegas récemment. Attends, on va s'éloigner d'eux parce que là, quand je vous parle. Quand j'ai joué à New Vegas. La dernière fois que j'ai joué à New Vegas, c'était il y a un an, un truc comme ça. Il y a des caves, des cavernes. Avec des fangeux. Tu sais, des rois des fangeux, là, ceux qui sont sur leurs pattes. Oh, franchement, elles font bader ces cavernes. Ils sont là, waouh! En plus, je jouais sniper du coup, mais pas le gros sniper, le sniper plus façon cowboy quoi. Et les autres avec leur langue là aussi. Quelle affaire! Bon, allez, on y va, la guerre! Bienvenue à bord, chevalier. Tout est en ordre, arrêt au décollage. Du coup, je suis pas allée à l'endroit que je voulais. Bon, c'est pas grave. Je vais aller à la ferme, mince. On ira à la ferme après, c'est pas grave. On va forcément réatterrir ici, je pense. Théorie, de toute façon, c'est notre seule transition. Cohérente. Cible en vue. Où ça ? La garder dans votre ligne de mire. Oui, là. En tout. Attends, je peux exploser la voiture, vas-y. Ah, la voiture, ça va marcher. Oh ! Un bébote ! J'en ai déjà fait en vrai. Sans utiliser cette arme de plus pour rien. Bah non, mais faut que je tue les autres aussi. Sinon, après, on va devoir y aller à pied. Ou c'est juste le bémol. Peut-être que le bémol. T'as bien eu que le 4. Oui. Bah, déjà, c'est pas vieux comme jeu. Enfin, je trouve. Après. Mais oui, y'a pas de soucis. Elle vibre dans ma manette, c'est vénère. C'est marrant, je me rappelle pas de cette quête. Au secours! Ça va bien! La zone est pacifiée. Je descends, on fait quoi? 2016, ouais, c'est pas, du coup c'est pas vieux quoi. Enfin, à mon sens, après. Mais du coup, oui, non, ça n'a pas. En tout cas, c'est pas. Du coup, c'est pas dépassé, y'a pas de problème.
8 ans. Non mais faut arrêter, hein. Moi j'ai l'impression que c'était il y a genre 3 ans qu'il est sorti. 3 ans. Il y a des gravats partout ici. Suffit, hein. En cas de besoin, ces fortifications pourraient constituer un accès. Mais du coup, ouais. Ça reste un très bon jeu. Enfin, à mon sens, si on aime l'univers. Quoi ? Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Non. Gao ici. Demande si c'est récent. C'est marrant, je crois. Ah bah oui, la dernière fois, je suis venue sans personne, puisque je jouais une... je faisais une run sans compagnon. J'étais rien. C'est comme ça qu'on se bat, au sein de la confrérie. C'est qu'il y en a un autre. Je suis déjà mort quasiment. Je cesse le feu. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, je joue en survie. En survie, on fait plus mal, mais les ennemis font plus mal aussi. On peut facilement se faire one shot. Les soins ne heal qu'au fur et à mesure, vous le voyez en bas. Il y a la faim, la soif. Et on peut pas sauvegarder quand on veut. Faut dormir dans un lit pour sauvegarder. Donc là, par exemple, si j'avais perdu, je dois recommencer de la dernière fois que j'ai dormi. Mais ça, c'est un mode spécial, c'est le mode survie, du coup. Enfin, c'est une difficulté spécifique. Les munitions ont un poids aussi. Enfin voilà, plein de petites modifs qui sont bienvenues. Oh le bande, non ? Ouais, nice. Il paraît que l'armée a déchargé la première cargaison de M42 ce matin. J'avais juste vu ces petits bijoux sur le papier. Alors le deuxième classe Bertram et moi, on est descendus en douce pour jeter un œil. Quand j'ai appris que les scientifiques travaillaient sur un lanceur d'armes atomiques portables, j'ai cru qu'ils étaient dingues. Mais apparemment, leur truc marche. Et maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, même si ça peut suffire pour faire pencher la balance. Oh non, il m'a tué. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre d'avoir plus de stamina. Oh. Moi, c'est l'ambiance de New Vegas que j'aime trop. Moi, je sais pas, ce côté... C'est là que je trouve le mieux réussi. Oh, même au niveau de l'histoire, tu vois, c'est hyper original. Dans New Vegas. Bon, bah, on est reparti, hein. Bah, comme ça, on va aller à la ferme. Même avec le strip de Vegas et avec tout. À moi. Voilà, comme ça vous avez la démo du mode survie. J'ai merdé. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Pridway, d'accord, est bien. Je vais pas faire ça. Regarde, ok. Ces forces, ces aberrations. Bien. Pour ne rien, je veux que vous. C'est compris. C'est comme si c'était fait. Je non, que vous je voulais pas faire ces réponses, bon, c'est pas grave. C'est toujours un plaisir d'exterminer. Un vertiptère lourd, prenez-le, rompez. Allez, laisse-moi tranquille. C'est pas grave. C'est le même résultat. Bienvenue à bord. Ah ouais, t'as pas aimé le début? Moi je trouve ça trop bien le début. C'est trop stylé.
Comme quoi. Puis bon, cette scène d'intro, elle est folle. La scène avec le snipe. Bon, on refait la même, mais mieux. Oh, regardez, j'ai buté ça. J'y arrive. Ah, j'ai raté. Merde. Cible en vue. J'essaie de la garder dans votre ligne de mire. Non, non, moi je veux tuer eux. Je m'en fous de lui. Oh. C'est marrant que les voitures explosent pas par contre ici. Ah non, elles explosent pas. Pourquoi pas, hein. Battre contre les fangeux, je crois que les fangeux nous ont suivis jusque là. Oui, c'est trop drôle. J'ai envie de tousser. T'étais gris à l'époque, c'est pour ça. Non mais y a pas de mal, on peut ne pas aimer. Ils nous ont suivis. C'est trop bien. Il est où le deuxième? Il en reste un normalement. Oh, ils ont attaqué en même temps. Il n'y a plus le fond en jeu? Non, parce que j'ai un peu peur quand même. Parce que... Hein? Hein? Quoi? C'est bon, il y a plus de fond. Ouais. Bon, là, faudrait qu'on puisse sauvegarder. C'est trop dangereux. Il nous faudrait un petit lit. Parce que là, sans lit, du coup, je me retrouve à refaire cette séquence. On voit que la séquence me dérange. But. Non, bah, on va devoir être. Bon. En vrai, l'autre tout à l'heure, là, j'aurais pu laisser Dan s'en charger. Moi, je vais devoir boire, surtout, parce que... À un moment, ça suffit. Voilà. Déjà qu'on a un peu plus de stamina, comme ça. Je pense, en plus, c'était le dernier mec, en vrai. Vas-y, coupe-toi-en. Visez leur point faible. Menace neutralisée.
C'est moche ça. T'as géré, Dani. C'est vrai ça en plus. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est vous qui nous avez fait. Au travail. Prenez tout ce qui peut servir. Allez. Pas qu'on se foire sur l'autre. La première cargaison de M42 ce matin. J'avais juste vu ces petits bijoux sur le papier. Alors le deuxième classe Bertram et moi, on est descendu en douce pour jeter un œil. Quand j'ai appris que les scientifiques travaillaient sur un lanceur d'armes atomiques portables, j'ai cru qu'ils étaient dingues. Mais apparemment, leur truc marche. Et maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, je me dis que ça peut suffire pour faire pencher la balance de notre côté. Vous imaginez la gueule des ennemis quand on nous larguera sur Anchorage avec ses joujoux dans les mains? Ils ne comprendront même pas ce qui leur arrive. Vas-y. Lui met une balle et une tue l'autre. Qui était que dans sa première barre de vie. Si j'avais su. Bon, au moins c'est bon. On se retapera pas le truc. Il y a des lits là-haut. Ils sont pas courts. Nectés. Du coup, on va passer par là quand même. Je pense qu'il a besoin du lit. Imagine, j'arrive à dormir là-dessus. Ouais. Ok. C'est bon. On va pouvoir sauvegarder. Let's go. Regardez-moi tout ce bric-à-brac. Ah non, pas les missiles. Quelle vie. On ferait bien de fouiller. Il y a peut-être des choses intéressantes. Tu crois? Peut-être. Genre des données techniques. J'avoue que c'est bien entretenu là. Ouvrez l'œil. D'allô. Le coin a peut-être l'air abandonné, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut relâcher notre garde. Ouais, mais je vais quand même faire un bon dodo là. Nice. La sauvegarde. Satisfaction. Bah, du coup, on peut y aller. Y a pas de soucis. Le chaos ici. Je me demande si c'est récent. Ah non, il fallait aller à l'étage. Sécuriser l'arsenal. J'arrive.
C'est bon là, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'ascenseur, hein, au pire. Je pense que c'est l'ascenseur qu'il faut que j'aille. Arrête de faire le débile. Save. Donc en vrai, ça va. Perdu. Il m'attaque quand même moi. Hein. Saloperie. C'est bien comme c'est la fin, on sait combien il en reste. C'est pratique. C'est dommage qu'on le pour aujourd'hui. Quoi? Qui est là? Un ready or not? Qu'est-ce que c'est? Alors, jugé par la couche de poussière. Nous sommes très certainement les premiers à venir ici depuis pas mal de temps. Ah, je suis bien sûr de Gigi. D'accord. Ah oui, si, ça me dit quelque chose. Sur le coup, je la j'avais pas. J'avais la musique. Ouvrez l'œil. Ce coin a peut-être l'air abandonné, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut relâcher notre garde. De toute façon, tout est indiqué. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose l'a réduit en pièces. J'ai cru que c'était un ennemi. By the way, on n'a pas de truc pour... truc de prélever le sang, là. Salut, Tobias. Mais alors, c'est à cette heure-ci? Comment ça va? Oh, document technique. Plus une trace. Il m'a fait si peur. Le
cesse-le-feu. Il avait un putain de lance-missile, heureusement il a tiré dans le mur. Cet endroit. On dirait que vous haïssez les super-mutants autant que moi. Ils ne sont pas si différents de vous et moi. Vous avez perdu la tête ou quoi? Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir deux pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer, mais voilà qu'on découvre les synthétiques. J'ai vu de quoi les super-mutants sont capables. Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer. Ce serait la fin du monde. Encore. Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Dans sa boîte de conserve, là. J'en ai assez de tous ces sermons. Ça va, j'ai compris. Oui, sans doute. Et quand on voit tous ces cadavres, quelque chose me dit que vous avez déjà toute la motivation nécessaire. Enfin, n'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du Pridwen. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez. Eh ben, très bien. Mais genre, du coup, il n'y a plus de bonhomme. Du coup, ce que j'ai buté de ce fait... Le zinzin, là, qui tire au lance-missile. Ah non, il n'y a pas de... Ah, oh, j'ai pris des missiles encore, pourquoi je fais ça? Arrête. C'est beaucoup trop lourd. Et là, ça va bien, écoute, parfait. C'était une journée très chargée, mais... au top. Un plaisir. Clairement... Il y a un texte, là, non? Ça se trouve que j'ai un truc à récupérer dans la pièce. Hein. Bon, arrêtons d'être accroupis, ça ne sert plus à rien. En tout cas, on a victoiré. Ce qui n'était pas bien compliqué, ça va. Pouvoir te descendre ici totalement. Non, mais c'était bien. C'était une journée chargée, mais très bien. Très très bien. Une bonne journée de week-end. Au top. Que du kiff. C'était pas des corvées. C'est vu, il y a la trace de quand il a tiré au lance-missile. Zinzin. N'empêche qu'il aurait tiré un poil à côté, j'étais morte. Décédé. J'aurais été. Est-ce que vous apparaissez où on est déjà allé? Y a-t-il, oui. Bon bah cool. Et après cette mission, je vais normalement pouvoir rendre le truc. Et j'irai bien rechercher Nick. If I can... D'ailleurs, tu es pas venu avec moi, là? Benz? Benz? On aura quand même eu un wipe. Un échec, mais ça va. En vrai, c'est que 1 sur 4 heures, ça me va. Joli. Sachant que cette mission, je suis censée la faire en. En armure assistée. Si j'ai la place, je vais pouvoir les vendre en haut, ça sert à rien de m'embêter. Clé! Merci. Une petite nuque. Pour où la clé?
que bon, la porte on l'avait déjà ouverte quoi. Après... Ah si. Oh, c'est pour l'autre porte. Parfait. DJ. Ça fait longtemps en vrai la ligne de quête de la confrérie que je l'ai faite. Bon, je me rappelle quand on attaque l'institut. Enfin, quoi qu'il arrive, on l'attaque avec les deux là. Réseau du rail aussi. Peut-être je me rappelle de celui du réseau du rail, je pense pas, mais... Il a pas fin fin jeu. Fin du game. Pas une blague. Ah, faut vraiment que je rentre à pied? Le respect, ils l'ont perdu? Tout de même? Bah super. Oh, pire truc. Waouh, on est dans la merde. C'est très très dangereux. Ça, ça m'a bien fait peur. Pire truc. C'était un trou là. Ok. À chaque fois, les armures assistées me font peur. On dirait des gens. C'est terrible. Vraiment. Arrêtez. Bon. Alors, je vais quand même m'occuper de ce qui se passe ici. Et j'aimerais bien dormir pour sauvegarder. J'aurais pu dormir au fort. Hein. J'ai potentiellement merdé là-dessus. Ok, c'est bon. All good. On est sauvé. Ça marche. Ça va. Bon, on va pouvoir participer, hein. Vous devez venir d'un de ces abris, pas vrai? J'ai pas de viande sur moi. Ok. J'aurais pensé. Oh la dégaine. C'est terrible. Vive les skins quand même. Bonjour l'enfant. Salut. Les cultures poussent bien en ce moment. T'aurais pas dû dire ça. Pourquoi j'ai l'impression que ce que vous allez me dire ne va pas me plaire? Exactement. La confrérie de l'acier exige un tribut de votre part. Vous allez remettre une partie de votre récolte à la confrérie. Un tribut, mon cul, oui. On vous doit rien. Sortez mon champ. Foutez le camp de mes terres. Attends, je bois de l'eau et on en reparle, ok? Oui, c'est pour ça que je ramasse plein de bouteilles à chaque fois. Si jamais.
Bah oui, mes stocks de bouteilles vides, c'est pour ça. Voilà. Mais alors, tu vas donner tes récoltes, oui? Hey. Qu'est-ce que vous voulez? La confrérie a besoin de votre aide pour protéger le Commonwealth. Faites don d'une partie de votre récolte à la confrérie, et on saura s'en souvenir. Je regrette, mais les pillards ont... Qu'est-ce que vous faites là? La confrérie de la... Vous allez remettre... La confrérie peut aller... Bien. Pardon. Je peux vous aider? La confrérie de l'acier exige un tribut. Vous allez remettre une... Un tribut. Je pense que ça peut passer, attends. C'est avec des mentats. Vous avez pas l'air d'être là pour faire du troc. La confrérie de l'acier exige un tribut de votre part. Vous allez remettre une... La confrérie peut... Hum. Hum. On peut partir loin. Hein. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? La confrérie a besoin de votre aide pour protéger le commun. Faites don du... Je regrette. Je peux vous aider? La confrérie de l'acier exige un tribut. Vous allez remettre... La confrérie peut... Il veut pas, hein. Salut. Vous avez pas l'air d'être là pour faire du troc. Qu'est-ce que vous voudriez en échange de votre récolte? Honnêtement, je vois pas. 500, ça irait? Me faites pas rire. Salut. Vas-y, je suis une victime. Prends tes 1000 balles. Ne va pas me plaire. Qu'est-ce que vous voudriez en échange de... Pour moi... Allez. Marché conclu. Quand on aura récolté la nourriture. Mon perso finit toujours par se faire victimiser de toute façon. Ouais, bon bah tiens, je te paye. C'est pas grave. Bad guy, mais pas facile tous les jours. Non, vraiment, il... Depuis le début, à chaque fois. Et c'est le pire, c'est... Là, ça va, il n'y a pas trop eu. Mais c'est les fois où, quand je faisais des commentaires négatifs, les gens lui disaient non, mais redescends, en fait. Et qu'il était obligé de dire, ok. J'avoue. Bah, 2000, ok. Ah. Bah, ok. C'est horrible. C'est une victime. C'est une grosse victime. Bon, ça vous dit on traverse là? Allez. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. En plus, je viens de choper des parasites. Des parasites au cul. Imaginez mes voisins. J'ai parasites au cul. En vrai, tout à l'heure, j'ai croisé mon voisin justement. Dans ma tête, je repensais au dernier live, tu sais. Est-ce que j'ai dit des dingueries? Bon, il est jeune, je pense que ça va, mais... Normalement, c'est bien sonorisé. C'est là qu'en fait, pas du tout. Bah c'était bien. Cette terre devrait nous donner la supériorité aérienne nécessaire pour gagner cette guerre. Ils sont beaucoup trop sérieux. Ils me fatiguent. À être si sérieux. Why so serious? Y'a pas un. Normalement, y'a un. Y'a un truc ici, non? J'ai le souvenir qu'il y avait un truc. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Ouais, ouais. Nous sommes fiers de vous. Admettons. Paf, paf, le charge de truc, ok. Et là, il y a un ascenseur, non? Oui, voilà, il y a un... C'est pas un ascenseur. Non. Pareil qu'on t'a affecté à un nouveau poste. Ouais, je me comprends. Patrouille de recherche. Allez. Gwen. Bonjour.
J'espère qu'il va être content. Ne vous fiez pas à l'âge de... Par contre, je vais vraiment être à l'autre bout de la terre, là. Supportable. Vous avez fait de l'excellent travail à Fort Strong, soldat. C'était du gâteau. Tant mieux. Mais attention. Toutes vos missions ne seront pas aussi faciles. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour combattre l'Institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Tenez, c'est pour vous. Les balises fumigènes permettent d'appeler un vertiptère quand vous avez besoin d'un transport aérien. Il suffit d'en lancer une sur le sol et le vertiptère sera guidé par la fumée électromagnétique qu'elle émet. Une fois à bord, vous pourrez choisir votre destination sur votre Pip-Boy. Il sert d'interface avec le système mais de navigation. Mais du coup, en vrai, pas mal pour... Pour le mode survie. Où est-ce que je peux me procurer d'autres balises fumigènes? Je vous conseille de les utiliser avec parcimonie. Elles sont beaucoup plus sophistiquées qu'une grenade fumigène classique. Si d'aventure il vous en fallait d'autres, adressez-vous au connétable Tigan. La meilleure arme pour survivre ici, c'est un gros paquet de capsules. Les balises fumigènes sont normalement réservées à nos paladins. C'est une faveur que je vous fais à titre exceptionnel, soldat. Tâchez de l'apprécier à sa juste valeur. Comme vous vous en doutez, Fort Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Une tâche autrement plus grande nous attend. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien de coïncidence. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du Paladin Dance ont détecté des signaux énergétiques pour le moins singuliers. D'après nos scribes, ces signaux indiquent un niveau technologique dont seul l'Institut est capable. À la lumière de cette information, notre mission nous a semblé couler de source. L'Institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés, quoi qu'il en coûte. Pour atteindre cet objectif, nous devons localiser leur quartier général. J'ai demandé à nos scribes de passer le Commonwealth au peigne fin, mais ils n'ont rien trouvé. Nos scribes disposent d'une technologie avancée. J'ai du mal à croire qu'une colonie entière puisse leur échapper. L'Institut se cache depuis des années. Mais nous finirons par les trouver, ça ne fait aucun doute. Je veux que vous soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. J'ai l'impression que vous accordiez déjà beaucoup d'intérêt à l'Institut avant même de vous joindre à nous. Je suis sûr que vous saurez où chercher. Si vous trouvez le moyen d'infiltrer leur infrastructure, je vous ordonne de m'en informer immédiatement. Avez-vous des questions, chevalier? Pas pour l'instant, aîné. Très bien. Vous pouvez disposer. Ok. Moi, je vais lui demander d'autres balises. Parce qu'en vrai, ça peut nous changer la vie en survie d'avoir ces balises. Du coup. Au final. J'ai informé le capitaine Kells de votre mission de recherche des éclaireurs portés disparus. Dorénavant, c'est à lui que vous ferez directement vos rapports. Paladin. Alors, on poursuit la mission, soldat ? Oui. Bien reçu. Nous battrons Connétable Tigan. J'espère que vous m'apportez une bonne nouvelle. Oui. La récolte n'attend plus que nos récupérateurs. Vous êtes du genre efficace, hein? Voici vos capsules. Comme j'espère que c'est 1000. Si vous voulez rentrer, je sais bien que ce n'est pas... Voyons ce que vous avez. Je suis sûr. Bon, tac. Ils vendent les balises fumigènes de quoi? Non. Déjà.
se sent un peu nostalgique. Tegan. Grâce à vous, la confrérie a suffisamment d'armes atomiques pour durer une vie entière. Vous avez quelque chose de spécial? J'ai quelques modules sur les... C'est un de mes pas. Ajoutez-en quelques... Voyons ce que vous avez. Servez-vous. Ah, il a ses modes. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, tchou. Deux balles dans la tête et il reste. Sans savoir des balises, machin, truc. Mais... qui peut vous sauver la vie. Peut-être les utiliser pour... Surveillez mes arrières. Et je surveillerai. Les documents techniques pour l'autre. Ça de côté. Je me suis fait vraiment mal quand je me suis trompé tout à l'heure. J'ai mal dans le... là. Si moche et débile avait un enfant, c'est normal. Il l'appellerait Super Mutant. Je crois que nous vous devons une fière chandelle pour avoir éliminé, à moins que vous ne souhaitiez. J'ai trouvé des documents. Ah, bien. Voici les... N'oubliez pas, fouillez de fond. Autre chose. Ça, c'est bon. On va rendre notre quête à l'autre. Celle-ci, là. Ah bah, les relents. Bon, l'artefact, on le fera pas tout de suite. Hein. Ne tournez jamais le dos à un artilleur. Sauf si vous aimez vous faire descendre en traître, bien sûr. All good. Et là, j'irais bien, du coup, retrouver Nick. Qui va peut-être, parce qu'il devait me parler. C'est vraiment joli l'éclairage ici en fait. Je trouve que ça rend trop bien. Au niveau du... de l'aîné. Inclinaison de 3%. Ajustement de la poussée recommandée. Oh. Intégrité de la superstructure intacte. La coque est stable. Attendez, chevalier. Je tiens à éclaircir un point. En tant que membre de la confrérie, vous servez sous mes ordres. Si vous voulez que je vous respecte, vous allez devoir le mériter. Quand je vous confie une mission, j'attends des résultats. Est-ce bien clair? J'ai reçu des ordres de l'aîné Maxon, capitaine. Et ils constituent bien évidemment votre priorité. Mais vous devez m'obéir à moi aussi. Le paladin Dance m'a déjà parlé de votre recherche des éclaireurs portés disparus. Je veux que cette affaire soit résolue. Avez-vous un rapport à me faire? Oui! Il y avait un survivant, le paladin Brandis. Brandis a survécu? Où est-il? Je me fais du souci à son sujet. Il est paranoïaque et clairement instable. Ça ne me surprend pas. Tout ce temps passé seul a dû finir par l'affecter. C'est une cause perdue. Il a tourné le dos à la confrérie. Un paladin brisé ne nous sert plus à rien. Mieux vaut l'oublier. Très bien. Il y avait autre chose? Vous voulez le rollo-band? Merci. Je veillerai à ce qu'elles soient remises à leur famille. Qu'est-ce que je dois faire de leur plaque? Je les accepte. La confrérie n'oubliera pas leur sacrifice. Comment est-ce que la confrérie va les honorer? Ils ont tenté d'accomplir leur mission avec courage. Et ils se sont battus avec honneur dans l'adversité. Ils ont vécu et ils sont morts ensemble, comme des frères. Voilà ce que ça signifie de faire partie de la confrérie de l'acier. C'est tout. Je vais rédiger un rapport détaillé pour l'aîné. En attendant, permettez-moi de vous offrir une nouvelle armure. Portez-la avec honneur. Oh, un nouveau plastron. Très bien. Ce n'était pas une mission facile. Et maintenant, j'ai une affaire pressante qui requiert toute votre attention. J'ai reçu des rapports signalant la disparition de matériel de notre dépôt à l'aéroport. Je soupçonne que le coupable est l'un des nôtres. Vous inquiétez pour un petit vol minable? C'est tout sauf minable, justement. Plus de 20 caisses semblent avoir disparu. Je veux que vous vous chargiez de cette enquête. Allez voir le sergent chevalier Gaville à la base. C'est lui qui dirige la division de logistique. Il vous présentera son unité et vous parlera du dépôt. Ensuite, vous mènerez votre enquête comme vous l'entendez. Si vous découvrez quoi que ce soit, venez me le dire personnellement. Allez, on va faire ça, je pense. Est-ce que je dois conduire mon enquête en secret? C'est trop tard pour ça. Les rumeurs vont déjà bon train. Le sergent Gaville et son équipe s'attendent sûrement à votre visite. Votre tâche risque de n'en être que plus difficile. Le coupable aura le temps de se préparer. D'accord. J'attends des résultats. Ne me décevez pas. Vous pouvez disposer.
pouvez disposer. Il a fait un truc comme ça. du coup, le plastron, là, il doit peser lourd dans mes poches. Ça. Ça va, ça va. J'ai envie de retransférer mes affaires à l'abri. Mais je vais pas le faire tout de suite, du coup. Et je pense que je le ferai, par contre, avec un vertiptère, clairement. Vous avez vu ces synthétiques au visage en plastique? Ils me filent la chair de poule. J'ai pas sauvegardé. Ouais, sauvegardé. Comment? Quand même. Soyez un peu raisonnable. Tout de même. Il est un peu vide en vrai, ce dirigeable. À tout le personnel, ceci est un rappel. Les ratons du script Neraya ne sont pas des animaux de compagnie. Il s'agit de ressources militaires d'une importance cruciale. C'est toi. Il est donc interdit à quiconque de les nourrir. Seul le script Neraya et son équipe sont habilités à le faire. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Vas-y, un énorme dodo. Juste envie qu'il fasse jour, quoi. J'ai envie de tousser, hein. Désolée, je me suis fait mal tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, ça passe pas, c'est l'enfer. Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Bravo 6-4, au rapport dans le hangar à armure 2. Un petit miam ? Bien nourri. Bien nourri, bien hydraté. Après tout à l'heure, je parlais, puisqu'on me demandait mon avis sur la confrérie. Mais par contre, on peut pas leur enlever le côté honneur, frère d'armes, tout ça. Ça, c'est bien. Après, c'est plus les décisions globales, quoi. Personnellement, je préfère les armes laser. C'est plus propre. Et j'adore cette odeur d'ozone si caractéristique. Nous voilà au petit matin. Laissez-moi deviner, c'est le capitaine Kells qui vous envoie ? Non, pas maman. Le capitaine a dit que vous pourriez me briefer sur les provisions volées. Allons discuter en privé. Suivez-moi. Piu-piu-piu. On a converti cette partie du terminal pour en faire notre dépôt d'approvisionnement principal. Tout ce dont la confrérie a besoin pour ses opérations passe par ici. Provisions venant du prix d'Ouenne, matériel récupéré sur le terrain, on s'occupe de tout. Écoutez. J'écoute. Gaville. C'est pour ça que je n'apprécie pas ce genre d'accusation. Je connais tous les soldats de cette unité. Ça me rend malade qu'on puisse remettre leur loyauté en question. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, laissez-nous faire notre travail. Pas de ce ton-là avec moi, sergent. Mes excuses. Oh, comment il a mis un stop ? Parlez-moi des provisions qui ont disparu. À en croire les scribes, il nous manque une vingtaine de caisses. Uniquement de la nourriture. Viande séchée, purée, pâtes. Ça n'a aucun sens. Je comprendrais qu'on puisse voler des armes ou de la technologie. Mais qui prendrait autant de risques pour avoir un stock de crame à vie ? Par où dois-je commencer mon enquête ? Vous feriez mieux de ne pas la commencer du tout. Ça n'est qu'une perte de temps. J'ai déjà parlé à mes hommes. Ils n'ont rien vu. Les scribes de Tigan ont dû se gourer. Ce ne serait pas la première fois. Si vous tenez vraiment à interroger quelqu'un, allez enquiquiner Lucia ou Clark. Je peux me passer d'eux. Je peux me passer d'eux. Oh la balance.
pense. Lucia et Clark ? Le chevalier Lucia et le conscrit Clark. Ils sont dans l'équipe depuis quelques semaines seulement. Ils en sont encore à apprendre le boulot, mais ils seront bientôt opérationnels. Alors quitte à enquiquiner quelqu'un avec vos questions, autant que ce soit eux. Parlez-moi de la division de logistique. Je dirige cette unité depuis près de 10 ans. On n'est pas très nombreux, mais on se serre les coudes. Et c'est grâce à nous que la confrérie peut fonctionner. Ce sera tout pour le moment, sergent. Suivez mon conseil. Posez quelques questions, puis retournez dire au capitaine de lâcher l'affaire. Ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes là au sujet des vols, pas vrai ? J'ai déjà dit tout ce que je savais au sergent Gavier. Pas de ce temps-là avec moi, conscrit. Excusez-moi. Écoutez, je tiens tout autant que vous à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parle plus fort ! Parlez-moi des provisions qui ont disparu. Je ne sais pas grand-chose. J'ai entendu les rumeurs, comme tout le monde, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la sécurité ? On est au milieu d'une base militaire lourdement gardée. Rien ne peut entrer ou sortir sans que l'on soit au courant. Quelles rumeurs avez-vous entendues ? On raconte que des pillards équipés de Stealth Boys attaquent le terminal toutes les nuits, et que les provisions disparaissent plus vite qu'on les fait rentrer. C'est n'importe quoi. Je travaille souvent de nuit, et croyez-moi, si on risque de mourir de quelque chose à ce moment de la journée, c'est bien d'ennui. Vous pensez vraiment que la base ne risque rien ? Oui. Et même si un intrus arrivait à atteindre le dépôt d'approvisionnement, il y a en permanence des chevaliers à l'intérieur. On verrait forcément quelque chose. Bah c'est surtout que les caisses, elles sont pas impactées par le Stealth Boy, donc... Parlez-moi de la division de logistique. On est... une dizaine maintenant. Quelque chose comme ça, oui. On dépend du connétable Tigan, qui se trouve à bord du Pridwen. Le sergent Gaville gère l'unité au quotidien. Ça fait des années qu'il s'en occupe. En plus du sergent, il y a Lucia, moi, les scribes, et quelques autres chevaliers qui ne sont pas aptes aux missions de terrain. Lucia ? Pardon, le chevalier Lucia. On a été affectés ici il y a quelques semaines, elle et moi. Ce sera tout, conscrit. Oh, mon d'accord. Perso qui a aucun charisme, du coup, il... Il y aura toutes ces persuasions. C'est lui qui a payé. Oh, pardon. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Chevalier Lucia de la logistique. Je peux vous aider, chevalier ? J'ai quelques questions au sujet des provisions qui ont disparu. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider, mais... Que voulez-vous savoir ? Vous savez quelque chose sur les provisions qui ont disparu ? Pas vraiment. Je crois savoir qu'il s'agit juste de nourriture. Et des tubes à vide aussi. Ah non, désolé. Eux, ils ont été égarés après. Il vous manque des tubes à vide ? Ça arrive souvent que du matériel se perde ici ? Non, quelqu'un les avait mal rangés, apparemment. Clark les a retrouvés le lendemain. Ce genre de petits soucis arrive. Mais ils ont un truc qui fait 20 mètres carrés. Ils perdent tout. Le connétable Tigan et ses scripts sont très rigoureux. Je veux bien qu'une ou deux caisses se perdent, mais une vingtaine, non. Vous pouvez me parler de la sécurité ? C'est du sérieux. Il y a au moins 2 chevaliers et 1 scribe de garde en permanence. Sans compter qu'il y a toute une base autour de nous. On n'a pas grand-chose à craindre. Est-ce qu'il est possible de contourner le dispositif de sécurité ? Il faudrait faire partie de la division de logistique. On est les seuls à avoir l'autorisation de faire entrer ou sortir des provisions du dépôt. Mais ensuite, ce serait impossible de faire sortir une caisse entière de la base. Avec toutes les patrouilles, quelqu'un s'en rendrait forcément compte. Et de toute façon, quel intérêt de voler quoi que ce soit ? La confrérie nous fournit tout ce qu'il nous faut. Et ce n'est pas comme si l'un de nous avait de la famille dans le Commonwealth. Je ne sais pas. Cette histoire n'a vraiment aucun sens. Comment est le travail à la division de logistique ? Ce n'est pas un mauvais poste. Le sergent Gaville n'est pas tendre. Mais j'ai beaucoup appris avec lui. C'est un travail qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Clark fait partie de la seconde catégorie. Si vous me parliez de Clark... On a rejoint la confrérie à peu près en même temps, il y a environ 2 ans. On est toujours postés au même endroit. Normal pour des nouvelles recrues. C'est tout pour l'instant. S'il vous faut autre chose, dites-le-moi. Alors, où j'en étais ? Sur ordre de l'aîné Maxon, toutes les formes de technologie doivent être confisquées ou récupérées. Oh, on peut avoir leurs clés. Mais j'ai pas de... Travail. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tout, chevalier. Très dangereux. Pareil à tirer. Pour l'aider, Maxon.
préfère mourir parce qu'en vrai, je peux pas me les mettre à dos. Il fallait que j'essaye. Par contre, on va devoir refaire les dialogues. Ça, c'est chiant. Unité Delta au rapport sur la passerelle. Je répète, bonjour, l'officier de l'unité Delta est attendu sur la passerelle. Je vais me permettre qu'on soit ennemis. Mais... on va refaire un dialogue, du coup. Je vais les passer, ça devrait aller. Ça se tentait, hein. Tournez jamais le dos à un artilleur. Sauf oh si pas là. La guerre. Ouais, je remangerai, je boirai quand je serai en bas. T'inquiète. J'oublie pas, c'est marqué en bas. Les synthétiques qui ressemblent à des humains sont les pires. Ils se cachent parmi nous. J'en fais d'abord tous les dialogues. Et on sera bon. Sergent Gaville. Laissez-moi deviner. C'est le capitaine Kell. Le capitaine a dit... Allons. Hop. On a converti cette partie du terminal pour en faire notre dépôt d'approvisionnement principal. Tout ce dont la confrérie a besoin pour ses opérations passe par ici. Provisions venant du prix d'Ouenne, matériel récupéré sur le terrain, on s'occupe de tout. Écoutez. Gaville. C'est pour ça que je n'apprécie pas ce genre d'acte. Je connais, si vous avez... Pas de ce ton-là avec moi, mes excuses. Parlez-moi des provisions qui ont... À en croire, ça... Par où dois-je commencer mon enquête? Vous feriez... Si... Ok. Lucia et Clark? Le chemin... Bien. Ils ont... Alors quitte... Parlez-moi de la division de logistique. Je dirige... Parlez-moi de la division de logistique. Non, je dirige... Ce sera tout pour le moment. Suivez mon conseil. Quand on passe les dialogues, ils font... D'accord. Vous êtes là au sujet des vols, pas vrai? Pas de ce temps-là avec... Écoutez... Parlez-moi des provisions qui ont... Je ne sais pas... Parlez-moi de la division de logistique. On est... Quelle rumeur avez-vous? C'est n'importe... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Tommy? Lucia? Pardon. Lucia? Pardon. Le chevalier. Pardon. Lucia. Vous pensez vraiment que la base ne risque rien? Oui. Et... Bien. Ce sera Allez. Tout, conscrit. Chevalier. Allez, Lucia. Pouvez-vous me dire où? Oh, pardon. Je ne crois pas. J'ai quelques questions au sujet. Je ne suis pas sûre. Comment est le travail à la division de logistique? Voilà, reviens. Si vous me parliez de Clark... On a rejoint la... Si vous me parliez de Clark... Pardon, j'ai refait. Vous savez quelque chose sur les provisions qui ont disparu? Si vous me parliez de Clark... C'est parce que je spam. Il vous manque des tubes à vide? Non, quoi que le sergent. Vous pouvez me parler de la sécurité? C'est du sérieux. Est-ce qu'il est possible de contourner... Mais ensuite, ce... Et de toute façon, je ne sais pas. C'est tout pour l'instant. S'il vous faut autre chose, alors... Ben, c'est bon. Je ne sais pas on est revenu au même point, juste on s'est tapé les putains de radiations, mais bon. Sergent. Alors, vous n'avez rien trouvé. Je vous avais dit que c'était une perte de temps. Écoutez, j'ai interrogé tous les soldats de cette unité. Si je n'ai rien découvert, vous n'aurez pas plus de succès. Si vous tenez vraiment à perdre votre temps avec cette affaire, laissez mes hommes tranquilles et cherchez des preuves concrètes. Vous avez le soutien du capitaine, non? Vous pourriez retourner toutes les couchettes du prix d'Ouen, et personne ne lèverait le petit doigt pour vous en empêcher. Et sinon, je peux faire autre chose pour vous? C'est tout. Non, c'est bon, du coup. Je donnerai ma vie pour empêcher l'humanité de reproduire les erreurs qui ont conduit. Oui, bah oui, parce qu'en fait j'avais déjà fait ces dialogues, donc là je les ai passés. C'est pour ça. Je suis partie à mes côtés. Hein. D'accord. Mmh.
Salut toi, ça va bien toi? Oh, encore? Attends. Ouais, bien sûr. Ouais, on va suivre le Game Awards. C'est lundi? T'es sûr c'est lundi? Mais ouais, on va suivre. En live, hein, carrément. J'aime bien suivre ce genre de truc en direct. Lundi 17h45. Rendez-vous au poste. Bon, attends, il hurle l'autre. En plus, j'ai entendu pilote de la merde, mais je pense pas que c'est ça qu'il dit. Du coup, ouais, lundi 17h45, bah écoute, je serai en live de Epsilon, fait. Ce sera tout. Ma foi, hein, chacun ses goûts, grand. Moi, j'aurais dit Baldur's Gate 3, mais après, voilà. Et les deux que t'as cités sont très bien. Hein. By the way. Ça y est. Oh, ouais. C'est bon. Alors, on a quelques éléments là. C'est parti. Donc déjà, il y avait un truc qui s'appelait De Lucha. Je me rappelle pas de ces deux-là, donc parfait. C'est bonhomme. T'as fouillé dans mon casier, qu'est-ce qui se passe, Clark? Alors, tout ce qu'on a traversé ensemble, comment t'as pu faire une chose pareille? C'est impardonnable, même venant de toi. Je suis encore une fois mes affaires. Et je te déglingue! Dernière journée conscrite est terminée. La conférence me donne tout ce dont je rêvais, une famille, l'honneur. Je me suis présenté devant l'aîné, il a parlé de ma vie. Avant la conférence de ma période de formation, blablabla. Quelques amis ont attendu à l'extérieur. J'ai appris ensuite qu'il n'avait pas pris son poste sur le pont. Pas Clark. Personne ne semblait savoir où il était. Oh, Clark et moi. Étonnant. Clark et moi avons été affectés à la division logistique, blablabla. Il m'inquiète, j'ai toujours admiré, mais il est complètement différent depuis quelques temps. C'est l'énergie. Je croyais qu'il était jaloux, mais il y a autre chose. Clark va trop loin, c'est la troisième fois qu'il est en retard à son poste. Je suis allé le chercher, je lui ai rappelé de ne pas oublier le prochain coup. Qu'est-ce qui lui prend? Alors Clark, qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'hésitez jamais à abattre la fête. Pourquoi pas, hein, je... Écoutez... Je ne jugerai pas au bout. En vrai, ouais, Robocop, du coup, bah, j'ai jamais regardé Robocop. Donc si je joue à Robocop... C'est comme on m'avait proposé de faire un test d'un jeu adapté d'un dessin animé, je vous dirai pas lequel pour l'instant. Mais c'est un dessin animé, je regardais pas, donc c'est pareil, je dis bah... Ce sera pas pertinent, quoi. Salut, chevalier. J'ai dû voir une fois Robocop. Fort fort longtemps. Mais je sais que le jeu a été bien accueilli en tout cas effectivement. Et du coup moi dans l'ordre ce serait Baldur's Gate 3, Remnant 2, que tout le monde oublie mais Remnant 2 est insane. Dans ce qu'il apporte en termes de renouvellement de jeu et de possibilité pour le joueur de continuer de jouer après avoir fini. Et en troisième, Alan Wake 2, du coup.
Parce que Alan Wake 2, niveau créativité, il est ouf. Voilà. Et en tout premier, Baldur's Gate, parce que c'est le jeu dont j'aurais rêvé quand j'étais ado. C'est dingue de se dire que les super-mutants étaient humains avant. Comment la science a pu déraper à ce point? Deux bobines de plus et... Oh, pardon. Je peux vous aider. Vous protégez Clark. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai lu votre journal intime, Lucien. Je veux savoir ce qui se passe. Pardon? Je... Je... Bon, d'accord. Clark et moi avons rejoint la confrérie à peu près en même temps. C'est mon meilleur ami depuis des années. Mais depuis la bataille, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. La bataille? La bataille de l'aéroport. Notre première mission de combat. C'était vraiment quelque chose. Le prix Dwayne est arrivé en faisant feu de tout bois avec son escorte de vertiptères. Notre unité a été l'une des premières au sol. Il y avait des dizaines de ghouls sauvages. On a ouvert le feu et elles sont tombées comme des mouches. Après, on a traqué les survivantes. C'était exactement ce que j'espérais. Mais Clark, depuis ce jour, il n'est plus le même. Oula. C'est comme s'il avait baissé les bras. Oula. Puis, j'ai remarqué qu'il lui arrivait de s'isoler une ou deux fois par jour. Ouais, après... J'ai vraiment accordé d'importance, mais... Vous pourriez peut-être le suivre pour voir ce qu'il fait. C'est un problème qui va vite être réglé, histoire de la localisation. Ce n'est peut-être rien, mais je me fais du souci à son sujet. À tout casser, il y a... Et brise les faibles. Si c'est ce qui lui est arrivé, il ne serait pas le premier. Ce n'est pas grand-chose. À tout casser, il y a genre peut-être 5-6 phrases dans le jeu qui sont en anglais, bon, deux en espagnol. Ça sera tout pour aujourd'hui. Perso, ça ne change rien à mon jugement sur Alan Wake 2, clairement. Surtout, c'est vraiment quelque chose qui va être réglé. Hé, hey, Clark. Je ne suis pas de service. Laissez-moi tranquille. Excusez-moi. Je n'ai pas envie de parler. Pardon, je vais pas... Je raconte trop ma vie. Clark? Ouais, il fait flipper. Alan Wake aussi. Restez en vie. Il fait peur, Alan Wake 2. De la nourriture, si vous bah, ils ont mis les jumpscares, en fait. Partant de là, je sais pas si t'as fait la section sur, je spoilerai pas du coup, la vieille dame. La section sur la vieille dame, elle fait bader. Alors qu'il y a rien en vrai. Mais voilà le jumpscare. En tout cas, c'est vraiment un bon jeu. De toute façon, cette année, il y a eu tellement de dingueries. J'ai l'impression que maintenant, tous les ans, il y a vraiment beaucoup de titres quali, quoi. Et il y a plein de jeux, si je mets le top 10, qui, il y a quelques années, auraient été jeu de l'année, quoi. Mais il y a tellement de jeux bien qui sortent que, voilà. Je suis pas là. Hé, hey, qu'est-ce que vous fichez ici? Je suis caché. Je pourrais vous retourner la question. Je suis juste sorti faire quelques pas, ok? J'ai bien le droit de m'occuper comme je veux quand je suis pas de service. Je reviens dans quelques minutes. Pas la peine de m'attendre. On l'a refait, mais en mieux. Mais comment veux-tu qu'on soit pas détecté? Regarde le gros, là. Allez, va! Zou! Moi, c'était bien, les autres, hein. De fond. Que je fasse ma troisième game, mon new game plus 2 sur Lies of P. Il compte pas y aller? Est-ce que ça va être long s'il y va pas? Bon, je vais voir ce qu'il y avait là-bas. Hein. Il t'avait l'air intéressé par ici.
Qu'est-ce qui se passe? Suivez le conscrit. Ok, on est bon. Tes compagnons, en fait, ils vont... Parce qu'il faut que je suive le gars, donc... ils sont partis ou ils sont morts, ils sont à l'endroit où tu les as rencontrés au début. Par exemple, entre guillemets. Genre, Nick Valentine, il va être dans son bureau de détective. Kate, elle va être dans l'arène où tu l'as trouvé. Le baladin Dance, il va être au prix d'Owen, je pense, du coup. Et ensuite, s'ils sont pas là, faut que t'ailles voir à Sanctuary. Parce que tu peux aussi leur avoir dit d'aller rejoindre une colonie. Si t'as toi-même dit à un compagnon de partir, tu lui as probablement dit d'aller quelque part. Auquel cas, il est dans une colonie. Mais là, ce que je te dis, c'est pas spécifique à la console. Hein. C'est Zoltan. Tout le monde en même temps, on sait plus sur quoi se lancer. Ouais, non, c'est intense. Mais là, ça va, il y a un peu plus de temps sur la fin d'année. Il y a Avatar qui arrive. Par contre, Avatar, j'avais regardé un... Hier, en fait, je voulais montrer le jeu à Jerry. Et du coup, je suis tombée sur un test. D'habitude, je regarde jamais de test. Et j'ai regardé un test. Et j'avoue, ça m'a un peu refroidi. C'est qui que tu cherches, du coup, Iron? Dis-moi, si je pourrais peut-être te préciser davantage. Salut, Paige. Notre faux monde. Il est là-haut? Denis? Ah, il est parti là-bas. Il est parti! Nick. Ah bah du coup, Nick, il doit être à son... Je donnerai ma vie avec joie pour sauver l'un de mes frères. Il doit être à son bureau au niveau de... du coup, de Diamond City. Et Kaniku, par contre, il doit être à Sanctuary. On en doute, hein. Descente. Oh là là. Commodité. Voilà un lieu pour le moins... Super. Je crois que... C'est une catastrophe, là, ce qui s'est passé. Calmons-vous, peut-être. Des ghouls sauvages? Bon sang. Elles sont sous la base. Ouvrez le feu. Elles sont dans les murs. Ah ouais, peut me mettre une grosse claque. Les ghouls, ça peut me touchot. Hein. Je crois pas comme ça, mais... Les traqueuses, là. Où ça? C'est pas un bug. Non, je pense pas. Mais quelque chose d'intéressant. Mais ça bug avec une mission avec les militaires. C'est peut-être que t'avais obligation d'avoir un de la confrérie avec toi. C'est pas forcément un bug. Également, s'il meurt et que tu vas pas le soigner, si tu lui en mets pas de steam pack, bah il retourne à la base. Au bout d'un moment. Ouais, il m'énerve être devant comme ça à chaque fois. Arrête.
Yep, c'est un très bon jeu. Hop. Deux secondes. On me dit que je vais prendre le baladin pour cette mission et j'ai vraiment... Oui, c'est ça en fait. T'as été obligé de prendre Vance avec toi. Dance, pas Vance. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pour ça. C'est ce que je viens de faire comme mission. C'est la mission du fort, du coup. Toute on est au même endroit. N'est vraiment pas bon pour mon armure assistée. Ciblez vos ennemis avec soin, ici. Les automobiles ont tendance à exploser pour prendre un tir dessus. Jamais ici. Non. Il y a vraiment le paladin qui se met tout le temps devant moi, j'en peux plus. Faut qu'il arrête. J'ai vraiment enlevé l'automate de Twitch parce qu'il me bloque trop de mots. Genre là, Energy, il avait écrit Fallout 4, c'est un putain de bon jeu. Le truc de Twitch, il a bloqué. Ah, on va peut-être devoir arrêter plus tôt là. J'ai un petit souci technique. C'est moi qui ai censuré le jeu. Non, non, ça, j'ai dû, quand j'ai fait Alt-Tab et que j'ai dû cliquer pour qu'on puisse voir ton message, en fait. Il y a un truc où j'ai dû cliquer, sinon ça affichait pas ton message. T'as dû voir qu'il a mis un certain temps à s'afficher. Quoique, peut-être il s'est affiché pour toi normalement. Mais les autres le voyaient pas. C'est pour ça que j'ai Alt-Tab. En fait, comme t'as écrit P plein d'étoiles, bah pour Twitch c'est comme si t'avais dit pute ou un truc comme ça. Voilà. Du coup je vais l'enlever ce truc parce que c'est trop chiant, même si je l'ai mis au niveau 1 il fait ça. Donc c'est pas ouf. Et on va finir cette mission et je vais devoir arrêter parce que j'ai un petit souci. Ça m'arrive très rarement, mais j'ai une espèce de truc lumineux au niveau de l'œil qui en général finit par une migraine. C'est très rare. Vous allez me dire c'est le jeu? Non, pas forcément. Mais du coup... Je vais devoir arrêter. Comme je le disais hier, si tu dis par exemple qu'un truc est en retard, l'automate de Twitch il va bloquer ton message. Parce qu'il va considérer que t'as dit retard. Qui est une insulte. Bref, il faut que je l'enlève. Moi, quand j'ai ça très rarement, c'est à coup sûr une migraine qui arrive. Ouais. Puis c'est surtout que je vois plus rien du coup. Je vois la moitié. Donc c'est un peu chiant. Mais on va finir cette mission et puis. Et puis comme ça, on sera bon. Je pense qu'il reste une goule quelque part.
Je pense que c'était déclenché même. Je suis quasi sûre qu'il y a une goule. Donc le cachet s'en va. Ah là. Je pense que c'est là. Oui. Ah, du coup, j'ai pris des risques inutiles. Chier. Je cesse le feu. Paladin qui se met pas du tout bon endroit. Ça me saoule. Sérieux? Ça va absolument tout le temps de moi. Je vois même plus ma vie. Pourquoi je vois plus ma vie? Où est ma vie? Ah, insupportable, Aude. Vraiment, hein, j'ai hâte de changer de partenaire. D'une force. Je sais pas du tout si j'ai besoin de soins. Je crois que le level up a fait que c'est ok. Oui, c'est bon, 260. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Ok. Je crois que nous ne sommes pas seuls. En plus, il est perspicace. J'ai pas encore buté toutes les goules là. De faire toute la station. Ah ouais, s'il y a un lit, je dormirai là, tant pis. Prochain lit, je fais une pause. Enfin, je fais une pause, je... Entendu ça? Trouvé! On a de la compagnie! Ça va être compliqué là. C'est un challenge. En ayant un seul œil.
Un mot qui entre en C là ? Ouais. J'imagine quelqu'un qui arrive maintenant va se demander ce que j'ai. C'est pas la lettre C du coup. C'est pas la lettre C. Ça y est. Ouais. Y'a pas un lit là ? Y'a souvent des lits, hein, mais pas là. En voyant que d'un œil, ouais, c'était GG, ouais. Un peu là. Arrêtez-vous. J'ai l'impression... Chut. J'ai entendu quelque chose. Mais arrête de dire... Il est insupportable, oh my god. C'est inattendu. Mais c'est immense comme zone. L'objectif c'est toujours pas complété, hein, donc c'est qu'il reste des goules. Bon là en bas c'est l'objectif du gars. J'aurais bien aimé qu'il y ait un lit vraiment. Surtout si on fait tout ça pour que derrière, quand on voit le gars, ça me fasse perdre. Ça m'embêterait. En même temps, il n'y a plus que l'étage en dessous. Là. Ben, on n'a pas le choix. On gagne ou on perd. Après, c'est marrant de tuer plein de ghouls. Donc, en soi, au pire. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je veux des réponses, Clark. Vous avez intérêt à parler, et vite. Je savais que quelqu'un finirait par m'attraper. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Expliquez-vous. Oui, c'est moi qui les ai volés, ces foutues provisions. Ça se voit, non ? Je fais partie de la division de logistique. Personne ne m'a jamais posé de questions en me voyant sortir la nourriture du terminal. Je la porte ici à la nuit tombée pour nourrir ces ghouls. Et ça marche, pour le moment. L'exécuter, le dénoncer. Dénoncer, évidemment, c'est plus que salaud. Vous dénoncer. Je comprends, mais s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. J'avais un ami qui était une goule. Il était tout aussi humain que vous et moi. Mais la confrérie dit que toutes les goules sont des abominations et qu'il faut les exterminer. Vous auriez tué un ami, vous, juste à cause de ce qu'il est. Je ne sais pas. J'ai rejoint la confrérie il y a 2 ans. Pendant tout ce temps, je
Je n'ai jamais douté de nos idéaux. Je ne les ai jamais remis en question. Mais pendant la bataille de l'aéroport, les ghouls, il en venait sans cesse. Et j'en ai tué, je ne sais pas combien. Elles ont fini par s'enfuir, mais on les a poursuivis. Et j'en ai tué encore et encore, jusqu'à la dernière. C'est la guerre. Elle cherchait juste à s'enfuir. Il fallait vraiment qu'elle meure. On les a massacrés comme des animaux. Après la bataille, j'ai eu besoin de temps pour réfléchir. C'est là que j'ai découvert cet endroit. Et les ghouls. Quel choix j'avais ? Faire un rapport et les condamner ? Oui. Ne rien faire et mettre la base en danger ? Je me suis dit que si je leur apportais de la nourriture, elles se tiendraient peut-être tranquilles. Je voulais éviter une nouvelle tuerie. Vous croyez que j'ai bien fait ? Bien sûr que non. Vous avez trahi la confrérie, et vous nous avez tous mis en danger. La confrérie a tort. Si on tue tout ce qui nous fait peur, est-ce qu'on vaut vraiment mieux que les ghouls ? Qu'est-ce que vous comptez faire d'elles, d'ailleurs ? Ce sont des monstres, Clark. Il faut les tuer. Non. Je ne vous laisserai pas les massacrer sans rien faire. Pas cette fois. J'ai trouvé ça dans les ruines. C'est l'holoplaque du chevalier Rylan. Il travaillait au terminal avec moi. Elles l'ont tué, c'est ça ? Et tant qu'elles resteront là, d'autres chevaliers risquent de mourir. Je ne veux pas être responsable de leur mort. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous avez trahi la confrérie de l'acier. C'est impardonnable. Faites ce que vous avez à faire. Faut pas que je me foire, hein. Faut pas qu'il me bute, sinon on doit tout refaire. C'est bon. Où sont les ghouls ? Ok. Au travail. Prenez tout ce qui peut servir. On va y aller, ghouls pas loin. Moi j'aimerais sauvegarder, hein. Ok, il y a un nid. C'est bon. Je fais une sauvegarde. Il y a des ennemis. Je peux pas sauvegarder. C'est dommage parce qu'on a fini la mission en plus. Alors que je vois plus rien. Enfin, vraiment en plus. J'aurais des balles, pas mal. Nous sommes pas seuls. Ils peuvent pas sortir, je pense. Ah, le protectron. Pourquoi il a tiré là ? J'espère juste qu'elle se ramène pas en fait. Attention, ils sont camouflés. Oui, bien sûr. Ils sont camouflés, hein. Voilà, par contre, on trouve direct, hein, parce que sinon... Sinon ça va être horrible. Non, peut-être que je vais faire. Oh. Je fais 3 essais à chaque fois et puis... Hop.
Donc je redis pour ceux qui seraient encore en route, c'est simplement que je vois plus rien. Je suis en train d'avoir une migraine ophtalmique qui se déclare. Et du coup c'est compliqué. Mais là on va arrêter. Mais j'aimerais juste finir ça, bien entendu, parce que comme je suis en survie, je peux pas juste arrêter. Ça y est. Ils ont lâché l'affaire. Sage décision. Bon, je pense que c'est bon, on peut sauvegarder. Super. Parfait. En vrai, on a fait la mission. En plus, on n'a pas échoué. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, je vais pouvoir revenir au menu principal. En tout cas, ce sera la fin de cet épisode. Bon, en vrai, c'est la durée que j'avais prévue, quasiment à 10 minutes près, et on a fini la mission. Donc au final, j'ai fait ce qui était prévu malgré cet incident. C'est très rare, hein, mais ça arrive. On va s'arrêter ici, du coup. Même pour vite.